love you. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre une expérience si forte, si inoubliable, que tout ce que tu fais ensuite dans le même registre, bah, du coup, te paraît un petit peu fade, un petit peu sans saveur ? Quand j'ai visité Kyoto, c'est une expérience qui m'a tellement bouleversé qu'effectivement, derrière, les visites des autres villes m'ont paru un peu plus tristes ou nettes. Ah, tu m'étonnes. C'est sûr. Mais bon, si tu me poses la question, c'est que tu as une petite idée derrière la tête. Bah ouais, moi, du coup, je vais te parler de Dark Souls. Mm-hmm. C'est un jeu que tu m'as gentiment invité à faire. Je l'ai fait sur PC dans sa Prepare to Die Edition, 4 ans après sa sortie. Du coup, sa plastique était devenue un petit peu ingrate. Mais je suis complètement rentré dedans, j'ai passé des heures absolument exceptionnelles, j'étais subjugué par ce jeu-là. Et du coup, forcément, tout ce que j'ai fait après m'a paru un peu fade. J'ai eu, pour ainsi dire, du mal à rentrer vraiment dans un autre jeu vidéo après cette expérience-là. Et du coup, tu me parles Dark Souls, mais t'avais touché un petit peu à Demon's Souls ? Alors non, j'ai pas fait Demon's Souls, bon, je joue pas sur PlayStation. Dark Souls était mon premier jeu de la série des Souls. Et puis, j'ai pas non plus touché au Kingsfield, qui étaient en fait des jeux de From Software, sortis sur PS1 et PS2 entre 1994 et 2001. Il y en a eu pas mal dans la série, et qui contenaient déjà en germe tout ce qu'on va trouver dans la série des Souls. Alors, les jeux adoptaient une vue subjective, mais t'avais déjà les donjons labyrinthiques, l'atmosphère très oppressante et puis la difficulté, tout était déjà là en germe. Alors par contre, c'est vrai que j'avais fait un jeu qui était sorti en fait 10 ans avant Dark Souls sur PC, qui s'appelait Severance Blade of Darkness et qui était un action RPG dans le même style, tu vois, avec une ambiance assez sombre, des personnages un peu fous, un peu torturés, et un gameplay très axé sur des combats très exigeants comme ça. Et c'est un jeu qui a eu un beau succès d'estime, mais qui hélas n'est pas vendu. Ça a été un échec commercial et le Rebellax Studio qui l'avait développé, bah du coup ce fut son seul jeu et a fermé un peu après. Mais c'est marrant parce que notamment par rapport aux similitudes avec Dark Souls, c'est un jeu qui débutait dans une prison. Mais ça, tous les RPG commencent dans une prison. Qu'est-ce qui t'a vraiment botté dans Dark Souls? Il n'y a pas quelque chose qui t'a porté quand même? Alors en fait, il y a trois points qui m'ont marqué dans Dark Souls. Le premier, c'est l'ambiance. Mmh. Alors, cette ambiance sombre, crépusculaire, c'est une ambiance à pousser au suicide. C'est dans le désespoir complet. Et tu incarnes du coup une carcasse, un personnage à demi-mort, qui va tenter de tirer son épingle du jeu en arpentant un environnement très hostile, où la mort finalement te guette à chaque recoin d'un couloir. Et ça, c'est cette ambiance, elle est, c'est super immersif et ça m'a énormément plu. Et ton deuxième point du coup ? Alors le deuxième point, c'est le level design. Ah oui. Alors depuis Arx Fatalis, qui est un RPG que j'avais beaucoup apprécié sur PC, j'avais pas vu le level design aussi fabuleux. Je suis vraiment vraiment tombé En fait, dans Dark Souls, finalement, tu arpentes des couloirs assez étriqués, mais malgré tout, l'univers a une cohérence, c'est un tout finalement assez vaste, parce que chaque zone est imbriquée avec les autres, tu débloques au fur et à mesure de ta progression des ouvertures à droite à gauche, un peu comme dans un Castlevania, donc t'as un vrai sentiment de progression en fait dans le jeu, qui est très gratifiant. Oui, t'as des raccourcis, des chemins détournés, des passages secrets. Des passages secrets, c'est parfait ça. Ouais. Et le troisième point ? Alors le troisième point, ce sont les combats. Alors évidemment, le fameux système de combat très technique, très exigeant de Dark Souls, mais pour t'en parler peut-être un petit peu mieux, je te propose en fait d'aller jouer. Allez, c'est parti. Mmh.
tranquillement installé chez toi. Tu vas peut-être me montrer une petite vidéo de Dark Souls, c'est ça ? Oui, je t'ai concocté un petit extrait, alors qui se déroule au tout début du jeu. C'est vraiment la première vraie zone de jeu. Alors, très rapidement, j'incarne un voleur. Mais c'est quelque chose qui va pas avoir une importance fondamentale, vu que de toute façon, on peut modeler son personnage comme on veut au fil du jeu. Et donc, je voulais d'abord te parler véritablement de ce système de combat, comme promis. Dans Dark Souls, c'est approche prudente requise, exigée, parce que les combats sont très difficiles. Alors, soit on esquive les adversaires et puis on cherche l'ouverture, comme on vient de le voir, soit à ce moment-là, on part leur coup et puis on contre-attaque. Voilà. Ouais, mais ça demande un timing assez serré. Ah oui, ça, de toute façon, le gameplay de Dark Souls, c'est un gameplay qui se dompte. Il faut vraiment faut s'entraîner. Alors. Quand il y a plusieurs adversaires, on a une panoplie de mouvements qui permet d'esquiver, tu vois, pour leur passer dans le dos. On a également un petit mouvement d'esquive arrière, un pas en arrière qui permet en fait d'utiliser moins d'endurance, puisque tu as une jauge d'endurance qui s'épuise assez vite. Là, on vient de voir le petit coup de pied qui fait du bien. Et ça donne au combat de Dark Souls un côté... tu vois, le personnage est très pesant, c'est lent, c'est pesant, il faut avancer prudemment, bouclier levé. C'est vraiment une scène de combat très 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 exigeante quand même. Mais du coup, est-ce que c'est pas trop punitif ? Alors, non. En fait, je te répondrai non, pour une bonne et simple raison, c'est que bon, c'est difficile certes, mais alors d'une part, dans Dark Souls, tu as un système en fait qui te permet, quand tu meurs, donc tu lâches les âmes que tu as récupérées par terre. Alors qu'est-ce que sont les âmes ? C'est en fait, ce sont les points en quelque sorte que tu gagnes quand tu tues des ennemis, que tu peux ensuite utiliser pour acheter des objets chez les marchands, mais également pour gagner des niveaux d'expérience. Mmh. Et ces âmes en fait, donc tu les laisses sur le sol quand tu meurs et tu as la possibilité en fait de revenir les récupérer. Donc finalement le jeu te donne une deuxième chance, c'est-à-dire que t'as un petit côté die and retry, ce que tu as mal fait la première fois, tu as la possibilité en fait de corriger, de faire mieux la deuxième, et ça je trouve que c'est vachement gratifiant du coup. En plus de ça, c'est vrai que t'as quand même, faut reconnaître quand même que dans Dark Souls t'as 2-3 passages assez épineux, avec une difficulté peut-être un poil plus artificiel. Alors je pense notamment au fameux démon Capra. Ah, c'est chien, c'est l'horreur. Voilà, qui est accompagné effectivement de sorte de chien. Alors le truc c'est que tu le rencontres dans une cave, c'est très très difficile, t'as pas la possibilité de manœuvrer aisément, et donc du coup ça rend le combat un peu tendu. Mais ceci étant, c'est vrai qu'il y a quelques gros boss un peu difficiles. Mais on a la possibilité de faire appel en fait à un autre joueur, parce que le système d'âme te permet aussi de revenir humain, de redevenir humain en allant à des feux. Et du coup, sous cette forme, tu peux faire appel à d'autres joueurs pour t'aider à passer les passages difficiles. Et ça, c'est vraiment une excellente idée. Donc au final, punitif, j'aurais tendance à répondre non. C'est un jeu où la difficulté est... C'est un jeu exigeant, mais gratifiant. D'ailleurs, la coopération peut prendre aussi d'autres formes. On a vu tout à l'heure, il y a des messages qui peuvent être écrits au sol par d'autres joueurs. Toi-même, tu peux écrire des messages. Ouais. Et ça a l'air de rien, mais dans un jeu qui est bourré de pièges, bourré comme on voit là, de personnages qui sont planqués à gauche à droite et qui tentent des embuscades, d'avoir un message qui t'indique où il y a des embuscades, ah ouais, carrément, ça peut sauver la mise. C'est très utile. Après, tu peux choisir de pas l'utiliser. Mm-hmm. Mais là, c'est vrai que les ennemis sont souvent positionnés de façon très vicieuse. Là, tu vois, l'arbalétrier qui te balance des carreaux pendant que... Alors il y en a un qui est planqué derrière une barricade, d'autres qui t'arrivent sur les côtés. Donc effectivement, avoir des petits messages comme ça, c'est vraiment très utile. Surtout que même des ennemis de base, finalement, ils peuvent venir à bout de toi assez rapidement. Ah ouais, carrément. Dès qu'on lâche son attention dans ce jeu-là, de toute façon, c'est mort, quoi. Mm-hmm. Et donc du coup, pour le coup, tu meurs souvent. Mais encore une fois, ce système de feu de camp, qui sont des zones safe où, dans lesquelles tu peux régénérer ta vie, passer les niveaux, etc. Enfin, tu peux faire plein de choses. Permet quand même de nuancer cette fameuse difficulté. Après, tu parles du feu, justement, le feu de camp, non seulement c'est un endroit très précis, enfin disons, il y en a plusieurs dans le jeu, mais disons qu'ils ont une importance incroyable, mais au-delà de ça, la thématique du feu, tu la retrouves tout au long du jeu, peut-être même tout au long de la série finalement. Tout le jeu il se base là-dessus, c'est la lutte du feu contre les ténèbres, et
Après, la question est, toi au milieu, en tant que joueur, on va pas spoiler, mais quelle est ta place par rapport à ça? Parce que c'est vrai que t'as cette fameuse marque sombre qui fait qu'à chaque fois tu renais, à chaque fois tu renais des cendres, à chaque fois que tu meurs, c'est pas tout à fait, clair. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées par rapport à ça. Il faut chercher, c'est vrai que le scénario n'est pas évident. Ah ouais, il faut s'approprier le background, il faut vraiment aller chercher les choses qui sont en cohérence totale avec le gameplay. Et c'est vrai que moi, cet aspect-là m'a énormément plu. Ouais. C'est vrai que du coup, tout ce gameplay dont tu parles, tout ce système de combat qui est riche et exigeant, qui est effectivement, où on sent effectivement le côté physique finalement. Oui, tout à fait, une présence armes. Physique, un côté ouais. pesant. Mais ouais. D'ailleurs, les différents objets ont un poids, et le poids a après une incidence sur ta façon de te déplacer, ta façon de combattre. Enfin, je veux dire, c'est complètement, pareil. Parce que là, avec un voleur, avec une armure légère, une petite dague, je peux pouvoir passer derrière les monstres, leur donner des petits coups. Alors que si jamais tu prends une hallebarde et une armure de plaque, forcément, tu vas pas du tout avoir la même approche des combats et des situations. Donc c'est vrai qu'en fait, tu en fonction de tes choix et tu t'appropries vraiment ta façon de jouer. Et même cette richesse, tu la retrouves complètement au terme après de l'histoire, enfin du scénario ou de l'image que tu t'en fais. Finalement, c'est toujours une représentation. Tu as des bribes de scénario un peu par-ci par-là, et toi-même tu vas reconstituer la cohérence de l'ensemble qui existe, hein. Mais disons qu'il va falloir quand même un minimum de travail de ta part pour ensuite comprendre que, ah oui, donc dans cette lutte des ténèbres contre le feu, contre la lumière, quelle va être ta place, quels vont être tes choix finalement, même s'ils ne sont pas explicites, il va quand même y avoir des. Il y a des choses à faire quand même, il y a quand même des quêtes, il y a des choses comme ça. Et puis finalement, et ça va être aussi la question plus globalement de la flamme qui t'anime. Enfin, moi j'y ai vu un petit peu pas mal de choses, mais notamment une relecture moderne du mythe de Prométhée avec cette question de la flamme qui est cachée, qui est. Et les dieux en fait qui apportent cette flamme, on ne sait pas trop avec les différents âges. Pour moi, le jeu questionne aussi le rapport de l'humain à la divinité, de savoir ces dieux plus ou moins créateurs d'un âge, quel est ton rapport à eux, toi, en tant que pauvre petite carcasse qui essaye de se décarcasser, justement. c'est bien dit. Non, mais c'est vraiment ça. Et c'est ce qui m'a intéressé dans ce jeu, c'est qu'il y a une profondeur qui est insoupçonnable. Voilà. Une profondeur réelle, plusieurs niveaux de lecture, un background à aller chercher. Moi, véritablement, pour moi, From Software a produit un chef-d'œuvre avec Dark Souls. Pour moi, c'est la marque des grands jeux. Quoi. J'ai passé plus de 100 heures dessus, j'ai été subjugué et j'en suis ressorti. C'est un jeu qui te hante après avoir joué et auquel tu repenses après coup. J'ai vraiment été bluffé. Je te remercie pour le coup de m'avoir invité à le faire parce que j'ai passé des heures vraiment exceptionnelles. Et moi, tu m'as donné envie de m'y remettre.